Voilà. Hey, salut à tous. Bienvenue dans un stream du soir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on commence un nouveau let's play. Donc, Pokémon Perle. J'ai oublié de brancher ma manette. Ça va bien marcher. 2 secondes. Hop. Alors, Pokémon Perle, tout simplement parce que c'est un vieux jeu. Donc, je ne saurais pas la date. Pokémon Perle, c'est un vieux jeu que j'avais fait il y a très longtemps, que je kiffe, et du coup voilà. C'est bon, voilà le petit. Alors normalement tout est bon, alors. La manette fonctionne, peut-être. A voir, tu fonctionnes. Dis-moi que ma manette fonctionne. Non, faut que je redémarre l'émulateur. 2 secondes. Redémarre l'ému. Bonjour, voilà, s'il te plaît, fonctionne. Non, voilà. D'ailleurs, cette vache, je peux la supprimer, mais ça ne sert à rien. Parfait. Alors, Pokémon Perle. Ah oui, là, c'est bon, ça va. Là, c'est bon, la manette fonctionne. Tout simplement parce que c'est un vieux Pokémon. C'est en soi mon Pokémon préféré. Sauf que je ne l'ai pas fait depuis la sortie du jeu. Donc, j'ai essayé de mettre un peu à jour le layout pour qu'on puisse avoir quelque chose d'assez potable. On va faire. On va essayer de faire cette fois un 100% du jeu. Donc on croise les doigts pour que je me lasse pas. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bienvenue dans le monde des Pokémon. Enjoy! Je suis Papy. Mon nom est Sorbier. Aujourd'hui, jour de gloire pour Kamex. Il a eu son PC. Le sauvage de PC, j'en étais sûr. Ça, c'est bon, ça. Mon nom est Sorbier. Mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Avant de commencer, reste ta première aventure. Si tu as besoin de conseils, je suis tout à fait attendu. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Tiens, voilà une Pokéball. Touche le bouton au milieu de la Pokéball, s'il te plaît. Faut le monter maintenant, c'est une autre paire de manches. Nous les humains vivons avec les Pokémon et nous arrêtons de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes les utilisent pour combattre et créer des liens très forts avec eux. Moi, je suis content de faire des recherches, nous en cherchons plus sur eux. Oh là là, j'ai oublié de prendre mes médicaments, frère. Alors, nous avons. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Es-tu un homme ou une fille? Oh, tu sais, avec mes yeux, la cataracte, tout ça. Je ne te vois plus bien, mon garçon, ou ma jeune fille, ou mon garçon, je ne sais pas trop, je suis un garçon. J'ai une magnifique casquette rouge. Donc, tu es un garçon? Oui. Comment t'appelles-tu? Vite. Non, on va s'appeler Dargalop. Dark. On va t'appeler Galop. Je peux pas mettre Galop juste. Attends. Galop. Galop. Non, Galoup. Ah, pas que Galoup. Non, c'est pas Galoup. Ça s'appelait Galop. Voilà, je suis Dark Galop. Start. On leur voit qu'il fait. Bah écoute, je fais la voix de. Tu t'appelles Galop? Oui, c'est bien moi. Ok, donc tu t'appelles Galop. Quel beau nom tu as. Je sais. Merci. Alors ce garçon-là fait partie de tes amis? Pas du tout, je l'aime pas. Quel est son nom? Romain, Quentin, Mathéo, Alexis. J'aime gros. Attends. Attends. J'aime gros. Merde, attends. J'aime gros.
un grise barbe. Mais ça c'est qui est à ton début là. C'est plus ça le grise barbe. J'aime gros. C'est un. Attends, ah attends. J'aime gros. C'est ainsi que tu appelles ton ami. Ton ami. Oui, c'est pas mon ami. Le moment est venu, Galop. Pars comme une antilope dans les rues. Dois te promener dans la région. Bon, comment tu te sens? Tu es sur le point d'embarquer pour une aventure unique en son genre. Tu rencontres une multitude de gens et de Pokémon en cours de route. Tu vas découvrir un tas de choses, tu apprendras aussi certainement des choses sur toi-même. Allez, plonge dans le monde des Pokémon. Wouah! Pardon. Malgré tous les efforts de l'équipe d'exploration, les Pokémon rares de couleur rouge demeurent introuvables. Tous ces Léviator reste invisible et équipé d'émotions. Oh. Ceci conclut notre bulletin spécial. À la recherche du Léviator rouge, diffusé pour vous par Félix Télé, sur leur réseau national. À la prochaine fois, même heure, même chaîne. Bah putain, c'est ça fait donc ça de rentrer dans un monde Pokémon. On a une grande sensation de... Et après, on se retrouve comme ça devant la télé. Ça va en vrai. J'ai connu mieux comme accueil, quoi, mais bon. Ma foi. Alors, bien... Putain, c'est ma mère. Maman, Galop. JM Gros est venu pour te voir il y a quelques temps. J'ai pas pris la voix. JM Gros est venu te voir il y a quelques temps. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. Très bien. Alors allons-y, maman. Maman. Ah oui, Galop. Ne va pas dans les hautes herbes. Pokémon sauvage pourrait t'attaquer. Ça irait si tu pouvais. Ça irait si tu avais ton propre Pokémon. Mais tu n'en as pas alors. Va pas dans les grosses herbes, salope. Merci, maman. Ça me fait toujours plaisir de me faire insulter parfois. Si tu veux, je peux parler à papa du porno que t'as tourné avec le train. Alors. Bonjour. Putain, c'était déjà la 3D. Quelle magnificence. Vous avez vu qu'on est un Thug Life, mais on va déjà dans les hautes herbes. Marche pas. Buggy. Salut Galop. J'aime gros te rechercher. Je crois qu'il est chez lui maintenant. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé ici? C'est où chez lui? Il me semble que c'est la plus grande maison du village. C'est celle-là. Maison de J'aime gros. Bouh. J'aurais pas faire la voix de tuto les mecs hein. Ça. Oh Galop, tu me devras 10 000 zénis si tu es en retard. Enfin zénis, j'ai dit ça en mode Pokémon, en mode Dragon Ball. Là. Ça me fait un poil chouïa fort. Voilà, ça devrait être mieux. Oh mince, j'ai oublié un truc. La vraie question que tout le monde se pose, c'est ça. Mais on verra. Quand déjà, faudrait déjà qu'on arrive à choper un Pokémon. Vous me dites. Dès que j'en choperai un, vous plaira, vous me dites, je veux lui. On va au lac. Je t'attendrai sur la route. Tu me devras 100 000 zénis si tu repars. Toi, il est pas trop rat, plutôt. C'est bizarre, c'est comme dans la vraie vie. Ça me rappelle quelqu'un. Allons-y. Tu sais, je suis pas en retard, ta race.
Et tu as vu le bulletin d'information à la télé, pas vrai? Tu sais, à la recherche de l'élévateur rouge, sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac. Connecteur pour X2. Rapport au nom, fils de pute. Cette émission m'a fait réfléchir. Je parie que notre lac a aussi un Pokémon rare comme celui-là. Non. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va trouver ce Pokémon. LDR, on a même pas de Pokémon. Il veut trouver un Pokémon, il est mignon. C'est par où il faut aller? À gauche? C'est là-bas. Oui, je me suis pas trompé. Pau, fils de pute. Ça se fait pas pour Théo. Méchant. Action de lac. Il vient de ton rouge. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a Aurore! Rien d'inhabituel. Avec le professeur. Je me suis trompé. Pourtant, je dirais qu'il a des choses différentes. Papa, nous voir ensemble le lac. Viens, Aurore, nous partons. Bon, je vais pas m'amuser à doubler toutes les voix. Hein. Non. On va revenir à Sinnoh. Pourquoi tu es revenu ici? Donc on est dans la région Sinnoh. Beaucoup de Pokémon rares dans cette région. Enfin, dans toutes les régions Pokémon. Sinon, ça va permettre d'avancer dans nos recherches. Faut qu'on oublie la valise. Si nous passer, c'est où? Le mec. Si, désolé, nous avons du travail. On pensait qu'on se tape Aurore à la fin, je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il fabriquait ces deux-là? Bon. Oui, c'est dit, il faut pas aller aux airs, on y va, pas le temps. Il y a une valise, on va voir, nique sa mère. Oh, mais c'est bon, ça fait une heure qu'ils y étaient. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, bizarrement, on se fait attaquer. Oh la lance, s'y attendait pas. Waouh, des Pokémon! Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, c'est la question que tout le monde se pose. Quel Pokémon va-t-il prendre? Whissicram, il me semble que c'est type loup. Ou Tortipousse. C'est Tortipousse. Et oui, mesdames et messieurs, j'annonce. Comme ça, bon, je la donne la couleur. Tortipousse. C'est une best Pokémon du West. Même pas tu rigoles. Regarde comment il est trop fort. Observe. Tortipousse attaque. Attaque charge. Instant. Hein. Il va l'enculer. Bam. T'as vu, blanc, il l'a déboîté. Mon dieu, des arabes. Des Pokémon de... Le pire. Défonce-le. Tortipousse, utilise charge. Oh. Tes points de vie descendent. Encore attaque charge. C'est un combat Pokémon le plus passionnant du monde. Non, il y a Crisacier qui est là. Il y a Magikarp, pas de Crisacier. Gitarre, patate trempée, Crisacier, attaque armure. Référence à JDG pour ceux qui ont compris. C'est ça même. On est en cas. Je l'ai vu sur le côté. Donc j'ai fait le rapprochement. Bah oui, on va avoir des problèmes, bien sûr. On vient à carotte, sa mallette. Oh, la mallette est là, le professeur a été furieux, j'avais perdu. Mais oh non! T'as utilisé les Pokémon! Oh non! Que va dire le professeur? Et là, elle vient de nous carotte les Pokémon. Cassons-nous! Bon, là, pour le coup, c'est nous qui avons fait un vol. Hein. On leur a carotte les Pokémon. Passe devant. Fait que les Pokémon sont pas amis. Je voudrais passer un peu plus de temps avec ce petit gars. Sacré gueule, hein. Sacré gueule, en tout cas, notre ami. Hein. Bonjour. C'est encore ces gens. C'est encore ces gens. Égolas. Est-ce que le vieil homme me regarde? Non, jure. Bon, on m'a dit que vous avez utilisé nos Pokémon. Montrez-moi, s'il vous plaît. Tortipousse et Whistikram. Alors je vois, c'est comme ça. Oh, retourne à mon labo.
il va se faire défoncer. Parce que Baudry il peut se rendre visite à notre labo. Ok, la prochaine. En vrai, on va forcément devoir y retourner, hein. Mais si j'avais le choix, j'y retournerais pas. Parce que le mec, je sais pas comment il va faire pour être pote avec nous alors qu'on vient de voler ses Pokémon. Quoi de neuf? Quoi de neuf, mon chou? Waouh, je ne peux pas croire ce qui t'est arrivé. Je suis bien contente que j'y aime gros. Et toi, ça y est, sain et sauf, le professeur dont je parle. Et surtout le professeur Sorbier de l'île. Il paraît que tu... qu'il est très connu pour ses études sur les Pokémon. Personne très intéressante, Galop. Tu devrais aller le voir à Littorola. Littorola. Expliquez pourquoi tu as eu d'autres chats que d'utiliser son Pokémon. Ah, je sais, Galop, enfile ça. Soit des chaussures de sport. De course, j'ai cru que j'allais dire. Parce que naturellement, dans le monde Pokémon, les amis, on ne veut pas courir tant qu'on n'a pas les chaussures adaptées. Et oui. Et il fallait s'en douter. Je trouve le chat meilleur, ce que j'ai vu. Valentin, comment on court, c'est B. La pa 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 la pa 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 la pa pa la pa pa. Un queue de tort. Ça soulève le premier problème de mon layout. Attaque charge, l'enculé. Un Théo sauvage. Attaque charge. Ça évolue en quoi que Notor? En Notor Q. Non, je sais pas en quoi ça évolue. Mort. Toujours pas, putain. Tantipousse en early game. Il est mignon, hein, mais il est nul, hein. Attaque charge. Oh, wouhou. Il a gagné 16 points d'XP. Pa, 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 la, pa. J'ai fait mon premier combat. Ouais. Je dois aller par où, là? Pep, pep, pet, pouet. Oh, oh, te voilà. Viens avec moi, s'il te plaît. Le professeur nous attend. Vas-y, voici notre. Ah bah putain, c'était pas. Il me casse les couilles, Gémo. Qu'est-ce que. Oh, c'est toi, garde. C'est toi, Galop. Bref, il y a nous deux et Pokédex. Et après, bon, y a pas d'histoire, c'est du Pokémon. Enfin, y en a, mais. Pokémon, hein. Professeur, te voilà, Galop. Montre-moi le nouveau Pokémon. Je vois, c'est un Pokémon qui a l'air plutôt très bien. Je t'en fais cadeau de ce Tortipus. Très bien. Non, un Tortipus. Non. Ah non. Attends, je veux pas de l'ennemi à mon Tortipus. Qui tortille, il pousse. Vous êtes bien défendu pour la première fois d'attendre ces tours vol. Je suis tellement contente que tu sois gentil, machin, machin. T'as peut-être raison, elle a dû le sucer pour qu'il soit aussi heureux que ça. Pas c'est une chose importante. Pour moi, ouais, Sorbier, j'étudie les Pokémon, tu me l'as déjà expliqué dans l'intro en fait. Tokidex, je vais t'en demander, je voudrais que tu utilises le Tokidex, mes couilles, tu fais un plateau, ça fait un double gros toute la vie.
Et une fois que t'as le tatami qui est posé au sol avec les tatami, tu peux faire plein de choses. Bref, pardon. Alors, il t'envoie directement les données. J'en ai eu un, moi aussi. Quand tu marchais sur la route de sang avec un pétion, qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai vécu 60 longues années, encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je suis un Pokémon. Faut que tu saches qu'il y a d'innombrables Pokémon dans son. C'est-à-dire qu'il y a autant de sensations fortes qui t'attendent. Le Pokémon que j'ai ici, il est petit plouf. Je dis colle à la série. Ça colle pour l'instant. Tortipouce, better of Tipouf, hein. Je veux lire. Ah, mais elle me saoule encore, ok. Elle voulait te servir de guide. Avec l'expérience en tant que serve comme assistant Pokémon. Suis-moi. Ceci est un centre Pokémon. Radoko, Lixi. Bon, on verra. Parce que je connais que Lixi dans ce cas. Ça c'est le shop. C'est vrai, joli Galop, il faut que je paye. PN, ta famille, tu m'as aidé pour s'incendier avec le Pokédex. Peut-être partir loin, tu devrais te. Ouais, Alma va me prendre à utiliser un Pokéball. Ah, il me semble qu'il a pris Bagdad. Il a plus Bagdad, mon tapouf. Mon tartipouf. Oh, pas stream longtemps, on va stream jusqu'à 1h. Hein. Jusqu'à 3h. Prêt. Ouais, je suis content, ça tourne bien. Si ça tourne bien et tout, je pense que demain je vais faire un live only Pokémon Perle. Yalop! Rien que ta famille, tu étais professeur. Tu n'as pas fait, n'est-ce pas? Tu sais que tu m'as interdit de voir toutes sortes de Pokémon de ta mère. Oh, tu as disparu. Ce moment, il faut que tu retournes à l'autre bout du monde pour prévenir ta mère que tu vas partir en exploration. Chaque fois l'évolution finale de Greenox, mon Pokémon préféré, Old Génération. Ça me dit rien. De toute façon, on va en croiser plein des Pokémon. Les manettes du Xbox One sont trop sensibles. Maman, je viens de prévenir. Oh, le professeur Sorbi est. Fais-le, voilà, ça pourrait être utile. Le journal. C'est un journal, il enregistre l'événement quotidien. Surtout, il doit te souvenir de ce que tu as fait en dernier. Fiu, un voyage plein d'aventures. Je t'envie, mon petit chou. Oui, maman, je sais, maman. Oublie pas de te brosser les dents tous les jours. Oui, maman, oui, oh, je suis très heureux. Tu sais, quand j'ai rencontré ton père, c'était des sensations extrêmes aussi. Hein. Bonjour. Merde de GM Gros, excusez-moi. Si GM Gros est ici. Non, il est parti. Je vais partir. Que faire? Mon garçon m'a crié. Ah, t'as l'aventure pulsée. Putain. Téméraire, je lui ai donné ceci, il m'en voulait. Et pourtant, j'ai pas envie de lui donner. Reçois colis. Au revoir, Galop. Profite de ton aventure. Et galopa au milieu. Et galopa dans les champs. Jusqu'à la fin. Con. Pouette. On va fuir un peu. Hein, parce que... pour battre des queues d'or. Hein. Pour l'instant, c'est pas un Pokémon intéressant, queue d'or. Peut-être pour cette tous les jours. Non, j'ai dit tous les jours.
juste que j'ai dit le R rapidement. Ouais, je suis pas fou. C'est ce qu'ils disent dans la série télé. Pokémon, premier épisode. Mère de Sacha. Elle fait oublie pas de te brosser les dents tous les jours. Genre son fils va. Genre son fils il va limite die. Il va risquer sa vie tout le temps. Oublie pas de te brosser les dents hein, quand même, Sacha. Attention. Hein. Attends dans ta gueule, salope. Pardon. C'est juste. Oh les embrouilles familiales. Oh, oh oui. Ce qu'elle a dit quand le professeur l'a fait de pointe. Tu vois ça, c'est un queue de tort. Un Théo sauvage apparaît. Non. Tous les jours. Cherche pas d'excuses. Oh là là. Pourquoi son petit pouf tape. Ah non, ça. Il charge. Et là, genre, ça fait coup qui one shot qui pouf. Le bug. Aurore a perdu. Je sais tout ça. J'ai fait bugger la robe. Ma vie, c'est de la merde. J'ai fait bugger la robe. Oh. Non. Non. La robe a bugué. Ma vie, c'est de la merde. Ma vie c'est de la merde. Non mais pourquoi la Rome elle a bugué? Sérieux, ton âge. 45 ans. Bon, comment t'appelles-tu? Mais je m'appelle Galop. Te souviens pas, t'es amnésique. Oh non. Il recommence le jeu en live. Tu t'appelles Galop, mais oui. Non, tu connais les dialogues de speedrun le jeu. Ah oui, carrément. On va l'appeler. Non, mais on va continuer de l'appeler JM-Gourou. JM. Attends, mais il était là le GM. U-R. O-S. Et voilà! Alors on va rush, hein, comme des porcs, hein, je vous le dis. C'est reparti. Allez, ta gueule, faut pas passer. Alors, à noter, ne passe pas tous les boutons de la manette comme au début. Bon, voilà. Alors pourquoi ça y est, d'ailleurs, je vous le dis, hein. J'ai choisi perle et pas diamant pour une seule et bonne raison, c'est que diamant je trouve Lugia. Non, c'est pas Lugia, c'est Palkia, mais c'est Lugia. Il me semble que c'est Lugia. Oui, c'est ça, Lugia, Palkia. Corrigez-moi hein, si je me trompe, hein, mais il me semble que. Il semble que c'est ça, Lugia et Palkia. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, c'est Palkia beaucoup plus classe que Lugia et que Lugia est un peu inutile en fait. À mon humble avis. Hein. Wow, on a fait que 25 minutes, quoi. Que d'une demi-heure de jeu.
Alors, ne pas oublier de sauvegarder souvent, du coup. J'ai mis ma souris. On était là-bas, oui. Lugia, c'est un piaf. Ah non, c'est pas Lugia, c'est... Palkia et... Comment il s'appelle, l'autre? Avec O-O. Oh, oh, je sais qui c'est. Comment il s'appelle? Peut-on me dire comment il s'appelle, le légendaire de diamant? Dialga, c'est ça. C'est pas le cas, Dialga. Bah, Dialga, je trouve qu'il a pas la classe et qu'il est moche. Du coup, j'ai pris Palkia, parce que Palkia, il a la classe de ouf. Palkia, il mérite le respect, tu vois, quand tu le regardes, t'es en mode... Damn it, it's Pokémon. Alors que Dialga, tu le regardes, tu fais... Damn it, it's a Pikachu. Mais bon, à pas oublier que, les gars, le meilleur Pokémon du jeu, hein, il est là. Hein. De l'autre côté. Il est là. Hein. C'est lui, le meilleur Pokémon du jeu. Hein. Tout confondu, hein. Je m'en bats les reins. Hein. Vous êtes pas prêts, hein. Si t'as un Giratina. Giratina est nul. J'aime pas, moche. Mais full peu. Best Pokémon West, il est à côté. Hein. Je vous dis direct. C'est pour ça que j'ai mis lui. Hein. Là-bas, je me suis dit, ah, peut-être on met Pikachu. Tu vois, bon. Pikachu sympa aussi, tu vois. C'est l'emblème un peu. Et un réflexe. Tellement le best Pokémon du West. Genre t'imagines même pas hein. Giratina est nul. J'avais joué avec Giratina avant. Tout ce que je sais c'est que je trouve son chara-design moche. Je trouve pas folichon, y'a plus beau. Enfin y'a plus classe surtout. Genre, le légendaire de... qui ressemble à un chien de feu. Pas celui de soleil, hein, un autre, un qui avait avant. Bah lui, avec Suicune. Je crois que c'est Raikou. Bref, un des chiens avec Suicune et tout. Eux, ils sont classe. Eux, ils sont broken. Alors que Giratina, bah il a pas... Je crois qu'il a la classe. L'incarnation du mal... Il avait dit de tous les univers parallèles. Mais Arceus! Je parle d'Entei, voilà. Entei, il avait. Entei, il est broken. Ici, la classe. Et tout, c'est tout. Bon. Je m'en fous. De toute façon, on sait que Best Pokémon ouais, c'est Arceus. Non. Best Pokémon, c'est Ronflex. Et après, il y a Arceus. Pas déconner. Bon, Flex est quand même supérieur à tout le monde, hein. Putain, il y a le feu. NDR. Ça, c'était du jeu de mots, ça. Ça, ouais, quand on fait pas le con, il y a les dialogues du tout. De toute façon, c'est ce qui se passe, ça va vite. Pouet. Mais il y a plein de Pokémon, même si je trouve que c'est quand même vachement parti en couille avec les nouvelles générations. Ça regarde que moi. À mon avis, en fait, c'est passé de statut bien à statut moyennement mort à partir de perles, justement. Peut-être que je me trompe complètement et que... C'est les trois légendaires de Pokémon que je veux... Du Pokémon que je veux stream. Ça c'est les vrais. Il y a Rayquaza aussi. Rayquaza il a la classe. Il y en a un autre, c'est. Il est tout. Rayquaza il est à la classe, il est broken. Il y en a un autre, c'est comment il s'appelle qui est orange et bleu. C'est Géo.
Géonix. Non, pas Géonix. Je me rappelle plus, mais qui a plusieurs formes et tout. Lui aussi, il est classe. Après, c'est parti un peu en couille. Après, c'est mon avis, après, c'est mon avis personnel, hein. Et je peux avouer que j'ai regardé 3 images juste des nouveaux et que j'ai pas plus vu que. J'ai pas plus trouvé ça folichon que qu'autre chose, tu vois. Donc j'étais bon. C'est ça. Régigigas. Régigigas, c'est pas celui qui est. C'est pas le gros golem avec plein de trucs et tout. C'est pas Régigigas celui qui a un. Régistil. C'est pas Régistil. C'est un autre, il était orange et bleu. C'est Géo. Géo. C'est Géo Mix. Putain, ça. Ouais, au jour, Shiny X aime les combats. C'est pas grave, on fera pas avec cette partie pour ça après, hein, dans tous les cas. Ouais, il est orange et bleu. Et il a plusieurs formes en plus. Genre, il a une forme assaut, une forme défense. Je me rappelle plus de son nom. Deox. C'est pas ça. C'est quoi que c'est Deoxys? Attends. À vérifier. On va voir de suite. Deoxys. C'est lui, c'est Deoxys. Celui que je disais. Deoxys, il a la classe. En plus, il y a plusieurs formes et tout. Il est broken, Deoxys. Deoxys, c'est un alien. Il est broken. Il a la classe. Et oui, il est badass. Voilà. Par contre, le chien légendaire dans Soleil et Lune. Et lui aussi, il est bon. Et lui aussi, je le trouve super classe. Après, je sais pas trop. Je sais pas ce qu'il vaut, hein. Mais je trouve qu'il est vachement. Il est beau. Comparé le légendaire de Lune qui est moche. Je peux dire. Enfin, je veux dire qu'il pue un peu la merde, le légendaire de Lune. Enfin, peut-être qu'il nous des stats et tout, les broken, hein, mais. En tout cas, le chien de soleil est trop beau. Le lion, pardon. Je préviens, je pense que je vais faire ça et je vais sûrement alterner avec une semaine perle, l'autre semaine soleil, celle-là perle, soleil et machin. Et je pense que je vais faire ça un peu tous les mercredis. Et vu que en juillet, on va passer sur à partir du 10 juillet, on va essayer de partir sur un stream par jour. J'aurai large le temps de terminer. Je vais baisser les puristes, mais Pokémon est mieux depuis Y. Et de mieux en mieux depuis Y. J'ai arrêté de chercher depuis Perle, moi. En vrai, comme je dis, j'ai jamais joué à 6 et pas après sur les 3DS et tout. Donc on verra ce que ça vaudra. Mais déjà le fait de passer de base à la 2D. Enfin, c'est peut-être 2,5D pour le coup, mais de base de passer à la 2,5D à de la 3D et tout, bah c'était bof. Enfin, c'est pas un ajout que je trouvais. En fait, je trouvais que ça embellissait à donf le truc la 2D parce que c'était un peu l'âme du truc. Mais après, quand c'est passé en 3D, bah j'ai perdu l'intérêt. Il me semble que ça passe à 3D un peu après cette version là. Ça a commencé les versions 3DS, il me semble, hein, si je dis pas de la merde. En réel 3D, hein. Ça c'est pas de la 3D, hein, c'est de la 2,5. Voilà, bon, on a rattrapé le retard où on était. T'inquiète, c'est sur 3DS, mais il y a que les terrains quest. Les terrains quest.
Mais voilà, donc je pense que de toute façon en juillet vous allez en bouffer. Hein. Pendant tout le mois de juillet où je vais stream une fois par jour, où je vais try de stream une fois par jour, du Pokémon vous allez en bouffer. Maintenant tu peux même plus mettre ton jeu en 3D. C'est vraiment de la pure 2D. Après je sais pas, hein, sur Soleil et Lune tout à l'heure. Non mais quand je dis ça en 3D, c'était les graphismes en fait en général. Tu vois, la télé, elle va pas être définie comme ça, par pur exemple. C'est une autre, c'est un autre type. Mais j'arrive pas à trouver pour l'instant un émulateur fiable pour la 3DS. Je chercherai parfaitement demain. Je sais pas pourquoi le stream il descend à 28 à 18 FPS, 21. J'abuse. Vous me direz, c'est pas très très grave pour du Pokémon, hein, mais. Normalement, il s'est fixé à 25. Il fait que descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, ça juste. Ma foi. Et alors, cette fois on va se garder. Comment on fait? Sauver. Sauvegarde de beaucoup de données, ne pas éteindre l'attenteur. C'est pas de la 3D, c'est de la 2,5D. Galop a fait la partie. C'est pas de la 3D, hein. Là c'est de la 2,5 hein, ce qu'il y a. Moi quand je dis 3D, c'est vraiment vraiment soleil et lune. Ça c'est réellement de la 3D. Sauf pour les combats. Les combats ça reste de la 2. Après la 2,5D c'est utilisé dans beaucoup de jeux hein. Exemple pour citer que lui, exemple il y a Dragon Ball. J'arrive pas à parler. Dragon Ball Fighter, le prochain jeu qui va arriver sur Dragon Ball, bah, c'est de la 2,5D et pourtant t'as l'impression que c'est comme. Et pourtant si on se fixe, c'est basiquement pareil que ça au niveau des graphiques. Enfin, au niveau des effets, hein, je veux dire. Genre c'est-à-dire les arbres, tu vas les voir comme ça, le poteau tu vas voir qu'il y a un minimum de relief par exemple, tu vois. Alors que ça reste dans un monde 2D. Pas de la 3D pure. Bon, c'est pareil. Quoi. La seule chose qui change, c'est au niveau des dessins des personnes. Bah, mine de rien, ça change. Enfin, après, bon, moi personnellement, je préfère quand c'est comme ça. Après, bon, je peux comprendre que dans Soleil et Lune, c'est cool parce que tu peux vraiment faire tout comme tu veux, des personnages originales, c'est plus. Propre, c'est mieux fait que ça, hein, mais pas de soucis là-dessus. Hein. Mais j'ai tendance à préférer les jeux comme ça plutôt que les 2,5, que les 3D, pardon. Après, ouais, c'est... là c'est moins technique. Mec, les persos bougent sur un axe. Ici, oui, carrément. Genre tu peux pas déplacer en diagonale, tu vois. Il n'y a pas de cet aspect de pouvoir faire comme on veut. Mais enfin. Après, c'est un autre débat, ça. Bon, voilà, on a rattrapé où on était, vous savez, vous voyez. On m'a donné 5 Pokéballs. Pa-pa-pa-pa-la-pa-pa. Pardon. Mais bon, c'est normal, plus la technologie avance, plus t'auras des trucs propres niveau animation graphique. Ah oui, je dis pas le contraire. Mais au contraire, c'est une bonne chose. Hein. Mais je reste quand même nostalgique du fait que... Pour moi, Pokémon, c'est de la 2D. En fait, c'est juste ça, en fait. Pour moi, Pokémon, c'est des monstres qui s'affrontent sur un monde 2D. En open world. C'est dans ma tête, c'est défini comme ça, et j'arriverai pas à me sortir cette image là parce que c'est une image qui a été fixée au fur et à mesure des années. Et pour moi, maintenant dans ma tête, c'est comme ça. Donc alors attendez, parce que là, du coup, on a l'Ixie, c'est pas le Pokémon que je voulais tout à l'heure.
Il me semble que Lexi c'est bien comme Pokémon. C'est pas celui qui devient un Luxio, qui devient un chat super badass. Il me semble, hein. Bam. On va éviter de le buter alors. Il me semble que c'est lui que tu voulais. Il me semble que tu vas aider Lexi. Donc on va t'appeler comment? Takorn. Comment tu veux que je l'appelle? Et tac, on l'appellera Tac alors, Luxi. Les données de Luxi sont ajoutées au Pokédex. Ou Trakand, pas la paix Trakand. Salut Mister Darl, bienvenue sur le stream. Alors attends, c'est Trakand, tu m'as dit. Hein. Ça va très bien et toi en fait, mon bro. Trakand. Et où le cas? Ah non, je fais de la merde. Kand. Parfait. Merci du follow, Mr. Dare. Alors normalement il va avoir la petite animation qui va marcher, qui va arriver au-dessus. Si elle veut pas bugger. On prie, hein. Alors elle est arrivée, mais ça a full bugué. Mais c'est arrivé. Ça a full bugué, mais c'est venu. J'arrive pas à lire ton nom, je suis désolé. Bonsoir Globax 59. Bienvenue sur le stream. Désolé, c'est juste que là, t'étais en... T'as la couleur bizarre, et donc du coup, c'est bizarre à voir. C'est bizarre à lire. Bonjour. Bienvenue à tout le monde, d'ailleurs. On vous embrasse, on fait des bazous. Alors. Les gros bugs. C'est un bug que je connais. Il faut jouer avec, je ne sais pas comment trop faire, et tout. C'est pas, surtout pas le temps. Mais pour l'instant, ça va. Voilà, là, vous avez normalement pas entendu, il y a encore eu un autre son derrière. C'est le sbeul, hein. Un petit Pokémon de perle à l'ancienne. Eh oui! Et ça fait toujours plaisir. On va se faire un petit let's play dessus. Ça fait longtemps. Alors lui, c'est un dresseur, je peux pas le capturer. Malaise. Meurs. Charge. Mais bah attends, mais il va me tuer. Non, me tue pas. Je suis gentil. Fais des attaques de merde. Attends, Pokémon. Lixi. Enfin, Trakand. C'est un vrai. Dark. Non. Avec un bouton. J'ai entendu encore un bruit. Oh, Globax, merci du follow, bienvenue dans la famille. Ça fait zizir. Oh bah je serais fusé. Notez-moi vos Pokémon préférés, je vais les noter dans un calepin. Parce que je pense que ça m'étonnerait que j'achète tout ce soir. Genre je compte pas terminer le jeu dans la soirée, hein, je le dis direct. Mais je les noterai sur un calepin à côté. Et dès que je les crois, je mettrai votre main. Attends, mais... voilà, refais-moi un rugissement, encore une dernière fois, s'il te plaît, fais pas ta tête. Un petit rugissement. Allez, allez, ah bah je crois que c'est arrivé. C'est bugué, mais c'est arrivé. Ah non, mais ça baisse mon attaque, fais pas rugissement. Quoique, si, c'est rigolo en fait. Continue, meurs. Non, ça l'a pas tué. Next, il meurt. Me tue pas. Serre les fesses. Oui. Oh, il a raté! Oh non! Oh, le manque de luck! Je suis mort! Premier combat! Oh non! J'ai rajouté des crampons, ça me demandait. C'est pas grave, ça passe. Bah, Globax, trouve-en un autre rigolo et je te mettrai le nom. Je me suis fait latter le cul! Et Étoraptor est pas mal. Et bon, on chopera un Étoromi.
Etormi, oui, très bien. On changera l'Etormi et on va l'appeler Etora. Et on va l'appeler Globax. Très bien. C'est quoi, je me refais ma veste. Bah, fais-la, Mister Barl, et on avancera ensemble. Tu iras sûrement beaucoup plus vite que moi, parce que je ne me rassemble plus du tout du jeu, mais... Pour The Way, hein, ça fait une heure et demie qu'en fait, Tac arrête pas de me dire... Arrête pas de me dire tous les noms des Pokémon, parce que je suis perdu, non. Je plane, hein. C'est un autre monde pour moi. Un Théo sauvage. Ou bien Arceus. Ça m'est mieux, ça. Ça, je suis désolé, hein, je veux bien. C'est vraiment un autre monde. Ectoraptor est plus bâtard. C'est vrai que Ectoraptor est plus la classe. Hein. Peut-être qu'un jour je changerai le Ronflex à côté. Ah, il est là, le Etourmi. Parfait. Etourmi. Tortipousse. Alors attends. Parce que charge. C'est un fou. Il n'est pas bien. Le mec. Pokémon Sun, c'est le celui que je vais faire en parallèle de celui-là. En gros, je vais avoir deux Pokémon en parallèle qui vont tourner pendant le mois de juillet. Et ça va être Perle et... Alors, attendez, sac. Ball. Pokéball. Utilisé. On pourra peut-être donner deux Pokémon à la limite, on verra plus tard. Mais peut-être que je donnerai deux noms à des Pokémon spécifiques. Alors, Globax. Hein. Oui, c'est bon. Pardon. Oui, non, ça arrive. Alors, Etourmi. Etourmi, Pokémon qui s'envole. Pokémon de type oiseau. Alors, Globax. Hop. Il est où le L? Je vois plus. Glo. Bah, je vais galérer de ouf. Pardon. Ah oui, non, mais c'est pas sur le bon écran. Mais en fait, vous voyez un écran noir. Enfin, vous voyez à droite en haut. Alors, je change. Je vais vite. Moi, ça sera Magikarp. Au moins, on aura un Léviator. Bah, on essaiera d'avoir un Magikarp Shiny. Ça peut être rigolo. Faire du Shiny Hunting. Très mal. Très bon choix. Et bye bye. C'est ça. On essaiera de faire un Shiny Hunting. Mais genre, personnalisé. J'ai jamais fait de Shiny Hunting de ma vie, hein. Je me tiens à prévenir. Je me suis toujours dit que ça va me casser les couilles si je tente de le faire un jour. Alors, bah, juste re-sauvegarder. Alors, vous allez voir sauvegarder souvent, parce qu'en fait, avant de vous arriver, il faut savoir que donc on avait déjà avancé pas mal dans le jeu. Enfin, pas mal. Donc, voilà, pas sorti du cul pour chinois, on a pas joué plus d'une heure. Mais on avait déjà avancé pas mal, et en fait, vu que j'en avais marre des passages de Aurore qui nous explique machin, j'ai comme un connard, en fait j'ai spammé ma manette. J'ai appuyé sur tous les boutons machin et tout. Et ça nous a reset le jeu. Du coup, mort la sauvegarde, hein, du tout repartir du début, donc d'autres noms machin et tout. Et mon premier chenny c'est le Luxe, c'est Lixi. Mon premier chenny ça a été Topicœur, dans une grotte. Et sur un malentendu, je l'ai tué. Ma vie a été dégoûtée. J'ai été dégoûté de Pokémon après ça. J'ai fui le jeu, j'ai fait c'est plus pour moi, c'est bon, j'arrête. Je vais changer de vie. Putain, les musiques. Pardon. C'est un conseil de ma part, il l'a buté. Ah, c'était très...
À ce moment-là, mon cerveau a tiré. Ma vie, c'est de la merde, en fait, au final. Hein. Bon, bah, c'est pas grave, tu vois. Fait chier de l'apprendre, mais bon, c'est un peu chiant, mais on fait avec. Alors, gamin Rachid, il s'appelle Rachid. Normal que je perde. Il se déplace en troupeau. Ouais, sur Earthgold, j'ai rencontré un Sosferati Shiny. Que c'était pas prévu. C'est bon, quand t'arrives, tu crois. Tu normal, tu prends dans l'air et tu vois un Sosferati, tu prends le coup, c'est dans la grotte. Tu vois genre un Shiny apparaître en mode. Alors, t'étais pas au programme. Je t'aime bien, c'est pas. Y'a pas de soucis. Mais t'étais pas au programme. Oh, merci du host, Mister Darl. Je suis désolé, je suis fatigué ce soir. Merci du follow, Mister Darl. Ça fait plaisir. Non, tu te lost. Oh là 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 là. Je suis pas bien. En tout cas, merci beaucoup de lost. Faut vraiment que je rajoute un truc pour lost dessus parce que là, c'est juste le zombie que c'est dégueulasse. Sur Omega, j'ai tout mon côté avec Shiny. Bon. C'est le moment où tu te rends compte que Mister Darl ne joue pas dans la même cour que nous. Donc Globax, je vais t'utiliser. Globax, tu attaques charge. Tu défonces les tourmis en face. Le Shiny, tu auras un flag game Pokémon. On a essayé de faire des fan games. Bon, si ça vous intéresse, hein, genre les. Alors si ça vous intéresse pour le confinement, sachez que j'ai fait beaucoup de jeux Pokémon, parce que j'ai jamais terminé, parce que j'ai jamais eu la foi. Celui-là je terminerai, je vous rassure. J'ai jamais eu plus la voix que ça, et en fait, il y a quand même beaucoup de Pokémon, de vidéos de Pokémon, ça peut vous intéresser pour voir comment c'était avant. Allez-y, allez vous amuser, j'ai un peu tout fait. Même si j'ai rien terminé, sauf une série, je me rappelle plus, ouais, sauf la première de Révolution Online, où je suis arrivé à la Ligue, et j'avais saoulé à la Ligue parce que je m'étais fait des voix français. Mais donc voilà, si ça vous intéresse, oui, tu es mort, je t'ai fait défoncer, tu es mort pour tes péchés comme Optimus Prime, mais Val l'a tué, enfin, Trakan. Tortipousse, mon level 6. Vous voyez, ça va devenir un monstre, Tortipousse. J'annonce, hein. Ah, il a pas level up. On va quand même te soigner, hein, parce que je sens qu'on attend les contre-gouttes, mec. Ils vont nous agresser. Ah, j'aurais pu sauter là-bas. En malaise. Un Théo. On avait fini Pokémon, si je me sens pas. C'est possible qu'on avait fini. Torterra, écoute, hein? Je te rattrape vite ou pas? Comme tu veux, Mister Darl. C'est assez. Tu risques de me rattraper vachement vite, hein. Parce que je vais vraiment à deux à l'heure. Hein. Parce qu'en fait, genre, j'ai tendance à doubler les personnages importants. Quand j'ai pas fait l'endroit, en fait. Donc, vous allez voir, j'essaie d'adopter les voix par rapport à. Par rapport au personnage. Mais donc on verra. Et donc vu que je lis les dialogues quand je les double, ça fait perdre pas mal de temps. Donc tu vas me rattraper sûrement très vite. Mais t'inquiète. Dans tous les cas, je serai à la ligue. C'est l'important à la fin. Que Notor apparaît. Je vais faire le. J'ai pas écrit. Pater avec Mysticram. Wistigram, c'est un petit peu un. Non, en vrai, il a la classe Wistigram. Je vais pas critiquer parce qu'il a la classe. Des starters de cette version-là, ils ont la classe tous. Même Tiplouf, il a la classe. Pangoléon, là, moins. Mais Tiplouf, là. Après, en même temps, je me rappelle plus quoi il s'appelle. J'ai la bonne évolution de. Je sais qu'il y a. Alors, attends, je m'en ai dit une tout à l'heure en plus. J'ai la mémoire pas ouf. Torterra. Et après, c'est quoi? C'est Tortank.
Non, Tortank, c'est pas ça du tout. Oh, j'ai perdu de ouf. Même sa dernière évolution à lui, elle est bref. Elle est ouf. C'est trop sympa. Simiabraz. Voilà, Simiabraz. Craqué. C'est ça sa dernière évolution? Ah oui, Sikram. C'est Simiabraz. Tortank, oula, oui, non, je. Je suis fatigué. C'est le soir. Je veux dormir. Le stream, il était pas prévu à la base. Pour tout vous dire. C'était pas du tout prévu. Genre, c'est. C'est pas à mes horaires d'habitude. Ouais, non, mais alors je te garde, Torticus. Que ne tort, un autre Théo. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je dis que c'est des Théo, Théo c'est un autre streamer de la chaîne. Hein. Et on a décidé tout à l'heure que ça c'est. Qu'il s'appellerait Que ne tort dans Pokémon. Enfin que ça serait Que ne tort son Pokémon à lui. Alors je le capturerai pas parce que je trouve ça inutile. Mais c'est ça. C'est voilà, c'est Boscara. En fait quand tu me le dis le nom, je me souviens. Je vais me souvenir de comment il est. Mais le nom. Ça remonte pas trop loin. Hein. Beaucoup trop loin, Diamant et Perle. Je vois plus quelle année en plus. Ça devait être. Je vais dire des conneries. J'ai cherché, mais je sens que la connerie elle varie. Alors, non, Pokémon. Perle. Ça va me donner. Attends, Google est mon ami sur le coup. Alors, sorti. 2006. Ah ouais, c'est si vieux que ça. Bah voilà, date de 2006, que je chasse un métamorph. T'inquiète, je chasserai un métamorph pour avoir le shiny de Mister. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est pas tous les jours comme ça. Hein. C'est juste ce soir que je suis un peu dans les vapes. Allez, tourmi. De toute façon que notre torse c'est une pâle copie de notre visuel tout sera passé. Tortipus Boscara attends. Boscara. T'intéresse aussi bien champion. Tipus plaf. Trimplouf et Pingoléon. Pingoléon je trouve il a pas la classe. Les fautes. C'est pas grave, t'inquiète. Aloha Gomoué. Je vous le dis. En fait, vous comprenez pas. Mais le meilleur Pokémon, le god de tous les Pokémon, c'est pas Arceus. C'est lui. Lui, là. C'est lui le god de tous les Pokémon, ever. Hein. Tu crois quoi? C'est lui qui a créé Arceus. Mais oui. Donc, franchement. Ça, on l'oublie, hein. Mais Ronflex, il est là avant tout le monde. Avant que le monde soit créé, il dormait déjà. T'étais pas prêt, hein. Enfin, il est... Tu donnes... La Lola, enfin, ouais. Là je suis perdu, je vois plus de quoi vous parlez. Ouais, je vous le dis, hein, je vois plus du tout de quoi vous parler, hein. C'est bon, je suis perdu. Alors merde, j'ai fait la souris. Malaise, vous allez voir ma souris sur l'écran. Tortipus sera ton attaque, putain. Qui c'est le premier Pokémon au monde? C'est Simularbre. Non, qui c'est? Vas-y, dis-moi. Simularbre, c'est possible parce que c'est un arbre à la base. Ça tient ma théorie. Et là, il me fait c'est ta mère. Je serais pas bien. Loudon. Ah! Goudon top 3 de mes Pokémon préférés. Goudon la classe. C'est Banzai. Ah si. Mon Lixi, enfin mon Trakand, va enculer tout le monde, tu vois. En fait le mec fait que ça. Après il va me mettre une charge, il va me défoncer. Non, top 3 de mes Pokémon, personnellement. Donnez-moi votre top 3 aussi, en dessous. Moi, on débat, ça mère, hein. Top 3, perso, c'est Groudon,
Non, c'est Groudon, non, c'est Ronflex. Il m'a défoncé le cul, hein, j'ai pas fait attention, mais... Genre, j'aurais jamais... Il va mourir. Chance. J'ai la chance. Alors, top 3, j'ai Ronflex, Groudon... Et pas le cas. Après, il y a Absol et toutes ces conneries. Mais ouais, je pense que c'est ça mon top 3 personnellement. Mais Ronflex reste le best Pokémon ever. Pourquoi? Parce que c'est Ronflex. Après, là, je sais pas combien il y en a maintenant. Il doit en avoir 800 et quelques ou plus. Je sais pas combien il y a de générations. Il y en a pas loin de 1000 et tout. Tout à l'heure, j'ai demandé à mon pote, il m'a dit qu'il y avait 800 Pokémon. Luxray, Absol, Karchakrok. Putain, mais tout le monde me dit Karchakrok, je vois même pas qui c'est Karchakrok. Genre, j'arrive pas à voir quel Pokémon c'est. Karchakrok, je vois plus que non, mais... Parce qu'on en a parlé aussi tout à l'heure, hein. Et je vois vraiment pas du tout quel Pokémon c'est, hein, Karchakrok. Je sais pas. Top 3, il y a Rattata. Il est hors jeu tellement c'est le best. Donc, 3, Deoxys. Ah oui. Karchakrok. Et Alakazam. Alakazam, il a la classe. Mais Karchakrok, je sais pas qui c'est. Je sais pas. Karchakrok, lui, il est vêtard. Rattata, hors jeu, je refuse. Non mais il est hors jeu parce qu'il est hors catégorie, il est trop fort. Tu peux pas t'être Rattata. Je vais me faire défoncer par mon rival. Alors attendez, je vais voir. Non mais je vais voir qui c'est, ça se soigne. Je vais voir qui c'est Karchakrok. Karchakrok. Qui est-ce? C'est lui? C'est lui votre Pokémon préféré? Sérieux? Bon, j'avoue, il a la classe. Ça, c'est quoi? C'est méga Karchakrok. Ça existe pas, ça, si? C'est peut-être, il y a peut-être une évolution X. Enfin, pas X, mais gros truc, là. D'accord. Ok, je voyais pas qui c'était. Les dents de Karchakrok, quand ils utilisent comme des rasoirs, les dents comme... Ouais, ça je sais. C'est ça, Karchakrok. Alors, ça je sais, la technique du Rattata, c'est on élimine une ceinture ou quelque chose qui le laisse à un point de vie. Et après, tu fais une attaque, je crois que c'est à la poste. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Qui remet tous les dégâts qui t'a infligé à l'adversaire. Et j'ai vu ça sur Trash. Pokémon, donc Mega Absol et Mega Mega Absol, ils ont fait un Mega Absol. Attendez, mais je vais me soigner. Mega Absol. Mega Absol. Ah ouais. Ah oui. Vraiment la classe. Non, c'est pas ça. Hein. Ça, je pense que c'est une connerie. Et vraiment la classe, si c'est lui, hein. Il a la classe. Seul. Bon, par contre, les gens, je vous en veux pas, hein, mais je vais stopper le live à 3h du matin. Bon, on a encore 3 bonnes minutes ensemble, donc le temps de sauvegarder et de voir un petit peu ce qu'il voulait notre rival. Comment j'ai doublé tout à l'heure mon rival? Je crois que je l'ai doublé comme ça. Mais bonjour, je vous appelle. Je vais le doubler comme ça. Attends, parce que je me rappelle plus où je dois y aller. Je crois que j'avais un journal. Sac. Ball, CT, B, LED. Commencer. Pour arriver à les féliciter, attraper tourbine. Ça me dit pas du tout ce que je dois faire.
Je suis perdu. C'est pas ça. En fait, je vois que ce bâtiment, donc on va aller là-dedans. Oh, il y a un Pachirisu. Je me rappelle plus ce que je dois faire. J'ai pas lu. Malaise. Ah non, c'est là. Ah mais si, il est là. Ok, oui. Il y a un garde-voir. Garde-voir, il est classe déjà de base. Ah non, j'ai oublié de le doubler. Bah, après tout, c'est le travail d'un machin, mais vous dites que c'est pour tuer Pokémon. Ça peut faire au compte. Alors, Galop, qu'est-ce qui t'amène, hein? T'as quelque chose pour moi? Jackpot, c'est une carte. Hein? Mais pour rien, il y en a deux. Une me suffit amplement. Tiens, Galop, prends-en une. Hein? Et bien, la pose à la carte, je pense que Charbourg est la prochaine ville. Et je dois m'y rendre. Il y a une arène, alors ce sera parfait pour endurcer les Pokémon que je viens d'attraper. Bon, ouais, ouais. Je suis en passe de devenir le plus grand dresseur de tous les temps. Salut! Au revoir. Oh mon dieu, c'est la boîte tuto. Non, je savais pas comment le doubler. Je savais pas comment faire. Ça va. Je suis fatigué de ça. Alors attends. Ah mais il a un abra. Parfait ça. Merde. Ça va. Après, j'ai puissance cachée. Oh non, il va bleu one shot. Globax. Globax est mort. Oh non. Globax, il fait que mourir. Putain, il va pas pouvoir... Encore ! On peut pas l'utiliser 27 fois, normalement. Aïe. Quad shot par fortune, plus quand même. C'est pas loin, hein. Ou critique et tout. Ok, ok. J'arriverai à faire quelque chose de ton Pokémon, t'inquiète. Encore ! Et s'il tank ? Putain, mais ça va, il a tapé deux coups, il t'a filé si c'est pas de la luck, ça. Je suis sûr que ta, ta meuf à côté, elle s'est fait coucou. Je pensais même pas, je vous jure. Vous savez quoi? Vous foutez de la gueule de Globax. Je le garde dans mon équipe jusqu'à la fin. Il va être level 100. J'arrête pas de l'être fait tant qu'il est pas level 100, Globax. Craquant. Et là il va mourir, regarde. Mais putain, mais depuis quand ça a puissance cachée à bras? Normalement ça a que téléport. Je suis mort. Il vient de me get track 3 Pokémon. C'est la merde. Oh, j'ai pas pris de sang de Pokémon en plus. Ah si. Je me suis fait get track par un Abra. Mon dieu. Devriez acheter des potions dans une boutique Pokémon. Nous vous souhaitons une bonne chance. Très bien. Allons-y. Eh ben non, il est 3h, les amis. Tac, on sauvegarde. Enfin, je les ai regardés 5 fois en 10 minutes, c'est pas grave. Je prends qui? Défi, je prends qui? De quoi? Par rapport à quoi, Mister Darl? Alors, demain, on a... Donc, je vais arrêter le live là, hein, voilà. Donc, je reviens demain, entre 19h et 23h. Ah, au début,
comparé que moi, prends Tortipus. C'est le feu, Tortipus. Donc, voilà, basiquement, donc, on se revoit demain entre 19 et 23 heures. Oui, j'ai une très grande fourchette. Sur ce, je vous donne rendez-vous. Je vous dis à la prochaine. Je vais me coucher, parce que je suis fatigué, c'est un peu la mort. Et voilà, donc la vidéo sera sur... la rediff sera sur YouTube. Que dire de plus? Il y a le Discord en bas si vous voulez parler avec nous, parce qu'on est quasiment toute la journée. Donc n'hésitez pas, amusez-vous. Peace, je vous aime. Merci aux deux follow qu'on a eu ce soir, donc Mister Dard et Globax. Pour tout vous dire, ça fait très longtemps que j'avais pas eu de follow sur un de mes streams. Donc, ça me fait plaisir. Val, TakaSPK, il va se foutre de moi, mais c'est pas grave. Donc, ça fait vachement plaisir. Et à la prochaine. Voilà. À demain. Peace. C'était Dark.